il y aura toujours en boîte ou en bar quelqu'un qui te marche dessus un peu et ils vont te dire ah, je suis désolé, plutôt que de juste dire bah c'est pas grave, t'inquiète, tu dis mais tu fais en blague. Et moi j'aime bien toujours dire la même blague pourrie, c'est mais t'inquiète, j'avais pas besoin de ce pied pour danser ce soir en tout cas. Tu souris, tu dis des trucs, j'aime bien les lunettes, c'est un charmant sourire. Juste quand il y a quelqu'un qui marche devant toi, tu te mets déjà en marche de parler aux gens, de dire des choses, tu remarques ce que tu vois, tu le verbalises, plutôt que de dire, ah oh, elle est jolie elle. Non, mais quand c'est quelqu'un qui marche devant, tu fais une remarque. Déjà, tu es en train de prendre une énergie, ton niveau d'énergie, ça va monter. Et le but, c'est que dans toute la soirée, tu vas surfer sur une vague d'énergie positive et ça va t'amener toute la soirée, c'est comme ça. Sinon, tu abordes, après tu attends, ton énergie ça baisse, il faut le remonter encore. Si tu parles avec un maximum de personnes pendant toute la soirée, l'énergie, ça va rester comme ça, ça va monter doucement et tu vas aborder facilement. Au moment où tu abordes la femme de la soirée et tu vas dire bah, c'est facile, je vais juste lui parler plutôt que dire qu'est-ce que tu vas lui dire, tu vois. Si tu fais ça toute la soirée, ça va juste être beaucoup plus facile pour toi. En fait, je dirais même que l'état d'esprit dans lequel tu peux être, c'est comme si tu étais l'organisateur de la soirée et que tu allais valider auprès des gens que la soirée se passe bien. Okay, c'est bon, assez cool. Et déjà toi, ça te met dans un bon mood parce que ça. Même tu te sens un peu supérieur. Ouais, chez moi. Voilà. Et en plus de ça, il y a quelques phrases bateaux qu'on peut te donner, qui peuvent t'aider un petit peu. Ce ne sont pas des phrases obligatoires, ce ne sont pas des phrases que vous devez utiliser, mais ça peut aider à commencer pour se chauffer un peu. C'est aller voir les gens et leur dire simplement « Salut !» Alors, est-ce que vous passez une bonne soirée avec une belle énergie, avec une belle voix, avec un bon ton, comme si tu étais l'organisateur de la soirée. Chez Morning Kiss, on a même des élèves qui sont vraiment fait prendre pour les organisateurs de la soirée. Tellement cette impression, elle est forte, elle est puissante. Ou alors, tu peux aller voir un groupe, leur dire salut, on est venu, enfin, je suis venu me présenter, histoire d'être un minimum sociable. Et ça aussi, c'est vachement puissant. Parce que aujourd'hui, surtout en soirée, tout le monde se considère un minimum sociable. Tu es d'accord avec moi? Donc, si je disais laisse-moi tranquille, ça voudrait dire que je ne suis pas sociable. Donc, la fille, tu vois, du coup, la fille, elle va se dire bah ouais, salut, viens, viens, nous sommes aussi sociables, nous sommes des gens cool, nous sommes des gens dans la vibe. Moi, c'est Bénédicte et toi et moi, c'est Jean-Pierre, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, des petites phrases comme ça, mais dans ta tête, mais toi, voilà, je suis l'organisateur de la soirée, je suis à la maison. C'est cool, il y a plein de gens qui sont invités, ben, je vais aller valider avec eux que la soirée est géniale. Une super phrase d'approche, c'est « Salut, moi c'est Fred ». Et elle est puissante parce qu'elle est nulle. Parce que ce que ça véhicule, c'est que tu n'as pas besoin d'autre chose que d'être Fred. Bon, alors, hey, vous mettez votre prénom à la place. Il n'y a pas besoin que tu sois plus que Fred pour aller engager la conversation. Donc c'est beaucoup plus puissant que d'avoir une super phrase hyper intelligente et bien travaillée.